そこは混ぜらせるね。オファス、バドゥ。え？ビリバ？バドゥ。イティマンシ。セアメ。コミガキ。Vous devez distraire. Ça en est, c'est têtu. Pourquoi manger la chair humaine? Ah oui, lui. Comment la chair humaine? Manger la chair humaine, pour aller à l'île bonne. Hein? Pas que c'était bon, quoi. On peut aller détruire ce qui a iré là. Mais le fromager où tu as caché la chair de tes parents. C'est toi. Mais c'est d'où qu'on mange? Viens. Viens d'où même? Plus que la chair de thon. Passons thon. Mérou, ce n'est pas d'où. C'est zéro. Notre gars. La chair de l'homme, là, c'est Dieu. C'est ça. La vient de l'homme. C'est pas très bon. C'est facile. C'est doux. C'est pas très bon. Il n'y a pas mangé. Hein? C'est doux, non? Si vous voulez, prépare ton papa. Que Dieu ton papa. Il t'a fait quoi? Tu tues papa. Il doit s'occuper de toi. Faire votre délivrance aujourd'hui. Moi, je travaille aujourd'hui. Vous voulez laisser la sorcellerie? Toi, t'as fait quoi? Tu as fait quoi? Hein? Combien de personnes? Comment tu tues les gens? On avait donné les cheveux de la vie et puis tu les mettais les âmes sortes. D'aller aux cheveux de la vie et tu dis les noms plus âmes sortes. Comment tu t'arranges? Les gens de la maison. Les gens de la maison. Les deux mois. Pas un peu fort. Et tu te transformes en quoi? Tu ne transformes pas quelque chose? Je me transforme en épervier. Tu rentres. Tu parles. Tu prends l'âme. C'est ça? Tu as tué 6. Tu peux donner le nom de 2 personnes. J'ai tué ma tante. Hein? J'ai tué ma tante. Ta tante. La soeur de ma grand-mère. La soeur de ta grand-mère, c'est ta grand-mère aussi. Pas ta tante. La soeur de ta grand-mère, c'est ta grand-mère. Quelle grand-mère? Paternelle, maternelle? Maternelle. Comment tu as tué? Ton père n'a pas de nom. Elle s'appelle petit Jean-Pélu. Elle était chez le poste. Et je me suis transformé en épervier qui partit là-bas. Quand il s'est rentré, les gens étaient aux cheveux de son lui. Elle dit petit Jean-Pélu. Ton âme m'appartient. Puis elle est venue dans ma main. Elle est partie là-bas. Pourquoi ça va être facilement? C'est quel pouvoir que ça vient facilement? Ça dit Jean-Pélu, lui, eh bien, tu la manges. Quand je dis son nom, son âme sort. Hein? Quand je dis son nom, son âme sort. L'âme sort. Pourquoi ça sort vite? Il a un pouvoir. Oui.
Ou bien écouter. On dit à gêne. Tu me regardes. Tu ne pas gêne. C'est à Dieu qui encore. Je te demande de lui. C'est Dieu, mon nom. Ton nom. Tu as gâté qui? J'ai gâté mon papa, ma maman et mon grand frère. Mon papa? Oui. Ma maman? Oui. Mon grand frère? Oui. Qu'est-ce que tu as gâté dans la vie de ton père? J'ai gâté son argent. Ça veut dire quoi? Quand il a l'argent, il fait que ça va vite. Il fait les choses. Il m'a dit les choses. Non, mais ça veut dire quoi? Il va, ça va vite. Ça veut dire quoi? Ceux qui vont faire les bains d'huile, là, vous êtes là, tout à l'heure, allez faire les bains d'huile, on va les recevoir déjà. Ça veut dire quoi? Ce que il doit faire, il ne fait pas, il fait les choses que ce n'est pas important. Donc c'est toi qui fais ça? Oui. Puis tu as gâché quoi dans la vie, dans le monde? Je veux que je ne plus enfant. Ton papa? Oui. Tu as fait comment plus longtemps? Je couche chez lui. Et? Tu couches avec ton papa? Oui. T'as quel âge? J'ai 10 ans. T'as 10 ans. Tu couches avec ton papa? Oui. Comment tu fais? La nuit, je veux que tu fais comment? Non, mais explique. On a les 9 ans. Tu fais comment tu peux aller coucher, papa? Faut expliquer. Ça se dérive, ça. C'est bête. Tu fais comment? Tu deviens grande. Mmh. Et puis, il me va coucher à mon papa. Hein? Et puis, il me va coucher à mon papa. Tu connais ça? Tu connais ça? C'est vrai. Tu connais ça? Comment tu fais? Tu deviens grande. Tu deviens grande. Être obligé de faire ça. Tu as envie. Donc tu appelles ton papa ton copain. C'est ton gars, ton papa. Donc il ne peut plus procréer, il ne peut plus faire enfant. Hmm? Tu as fait encore? J'ai gâté ma maman. Ta maman? Oui. Comment tu as fait? Il fait quand Paul Gossel a fait tomber ça. Comment tu fais? Je couche à elle aussi. Ça te dit? Oui. Vous pouvez aller vous asseoir. Les autres, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Oui, quand tu fais quoi, ça te dit? Comment ça fait? Donc, c'est la même méthode, hein? Tu t'assois. Comment tu fais? Hein? Tu vas voir? Pourquoi pas j'assure? Et quand j'assure, t'as fait comment? Tu fais comment? C'est ton frère, t'as fait quoi? Ils sont passés examen, ils sont malades. Il est dans quelle classe? Il est à l'université deuxième année. Comment tu fais, il est vraiment malade?
Tu es délivré. On va prier pour toi. On se tient debout. Tu vas poser la main à ta tête et demander à notre Dieu, souverain Père, de te délivrer. Prions ensemble le Seigneur. Tu vas commencer à prier pour ta délivrance. Prions le Seigneur. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et parle. Tu vas prier, présenter la journée au Seigneur, afin que tout ce qui a été programmé quant à ta vie, l'humiliation, la mort, l'accident, tu vas déprogrammer. Prions ensemble, Seigneur. On parle à la journée pour déprogrammer tout ce qui a été programmé quant à ta vie. Tu vas commencer à parler au jour, la journée, que les bonnes choses arrivent jusqu'à toi. L'argent et les bonnes choses, la main de Dieu sur ta vie. Tu vas commencer à parler. Parle. Amen. Nous te bénissons pour cette journée. Et toi-même, tu bénis au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. J'aurai l'occasion de recevoir certaines personnes tout à l'heure. Mais en même temps, ceux qui doivent prendre le vin d'huile, tout à l'intérêt de l'autre côté. Pour organiser ça.